Eh bien bon, c'est ce que tu as fait avant la météo, on dit donc bonsoir, il y a c'est vendredi 9 février, on se fait donc un bon week-end, il y a un week-end qui a commencé pour nous, il y a un déjà commencé déjà, donc on se fait passer un bon week-end. Encore parler de la part de la mer, éviter tous les sites New York, bon, pour ainsi qu'à lui, grand pile d'activité dans le pays d'Haïti pendant la période de ça, que semaine de la série Carnaval Jack Mel, et normalement, techniquement, semaine ça va avoir un carnaval en Haïti, mais vu que les circonstances, pas bien rien qui est dit que a bien ambiance, mais cependant, et c'est ça qui est connu, ces manifestations qui gagnent, et opposition qui est censée, alors, dit opposition divisée, qui dit que on ne peut pas reconnaître l'autorité premier à Henri, depuis date 7 février, et bien, on ne peut dit que. Et tout ça que vous voulez, c'est pour le premier ministre Henri aller. Mais le premier ministre Henri dit lui-même nul là. Et pour organiser les élections, laisse ça possible, les conditions de sécurité réunies. Donc, laisse ça organiser l'élection, mais demander pour tout le monde, avoir ensemble. Et puis, les sont sortis de Pinga, by l'idée politique pour dire que le peuple n'a pas un mauvais coup. Et que job gouvernement par là s'est fait élection et puis rappeler que on transition pas capable remplacer en transition ça que en réaction que puis monde qui même population monde monde les militaires après cette question dit bon et ça c'est du feu premier ça errant il mettait l'huile il mettait sur du fer donc on doit mettre l'huile sur du feu et ça fait accélérer du feu. Entre-temps, il y a un ancien sénateur, leader du parti politique Petit Dessalines, ancien sénateur Maurice Jean-Charles, qui lui-même décrété la permanence. Il dit qu'il était en contact avec plusieurs leaders politiques dans une déclaration faite dans la presse. Côté pour les consulter, qui va se faire pour capoter le gouvernement. Et bien, bon, il dit lui-même, et dans son manifestation, il dit qu'il parle désormais, manifestation va faite dans l'autre direction. Les élections sont faites surtout dans la direction, dans la zone côté ambassade américaine, dans le tabac. Et pendant que le monde des populations peut manifester, devant, non seulement devant le ministre qui fait partie du gouvernement, mais en tout cas et devant les ambassades de pays étrangers, particulièrement les cités non et ambassade du Canada. Donc il faut faire manifestation devant tout pour monter mes contentements, pour dire que pas associé. Ou pour forcer la communauté internationale à plutôt désassocier avec le premier ministre Ariel Henry, qui a pu se passer deux ans de vie sous pouvoir, mais 7 février c'était date limite d'après un accord, et bien bon, jusqu'à présent, pas rien qui vraiment. Pas rien qui vraiment sorti. Dans la question, il y a qui vous dit que. Il y a marché, gens que il était souhaité jusqu'à présent. Donc, il y a un peu de monde qui était vraiment le premier ministre. Le commissaire est en étape de démissionner et dans le 7 février, bon, ça va faire. Il y a une vidéo qui sur les réseaux sociaux qui c'est vérification de la vérité. Il y a des gens qui ont reproché le discours prononcé dans la soirée 7 pour le véhicule, qui le fait plutôt le 7 pour que tu aies bien tard pour te mettre là où tu sois déjà. Pour te mettre le dehors bien tard. En tout cas, manifestation, il y a des gens qui mourent, et un peu partout, il y a des gens qui sont blessés. Par exemple, il y a un leader, alors on a parlé du groupe BESAP, qui lui-même, c'est une agence qui l'a protégé et l'environnement, et bien, il y a perdu 5 parmi les soldats, et dans, qui t'assemblent dans la confrontation avec la police, une personne ne connaît pas. Il y a un PC qui m'a depuis mené une enquête sur l'incident là pour qu'il n'y ait aucun blessé du côté de la police. Et est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est vraiment une confrontation vraiment? Donc c'est ça qu'on peut se demander. Et pour que l'instruction générale fasse ce dossier là. En attendant que gagne déclaration et chargé d'affaires américain fait sur le dossier Haïti à tout, continue à dominer l'actualité à tout. Et il parlait de pas qu'à que parti politique ou bien parti concerné ou bien acteur de travail ensemble pour jouer une solution à la crise. Pendant que dit les États-Unis lui-même, il n'est pas là pour il pas supporter un gouvernement, non plus un individu, mais seulement un peuple haïtien. Et très certainement avec l'histoire que Baguen et institutions démocratiques. Concernant tout Kenya, pourquoi une date qui fixait qu'il est tout bien venu, mais dans les cas où il fait ce passé, il dit que
tout ça là capable venir dans premier trimestre et année 2024. Dans l'autre point qui s'est appelé dominer actualité à toujours, si nous parlons de surtout manifestation ça qui vient dans le pays d'Haïti, c'est seulement et tension qui vient tout et dans ville pour dans sortie capitale là côté bandi ont continué contrôler et contrôler à terre ça et que quand il y a une machine traversée, il faut que la machine est obligée de payer à main. Dossier Haïti a tout devenu par un autre problème tout du côté de la République dominicaine qui lui-même demande des citoyens qui ont un travail en Haïti pour quitter Haïti ou retourner en République dominicaine parce que et pendant qu'il a annoncé tout le temps des mesures sous frontières, côté il a augmenté et garde frontière et présence et force de l'ordre pour justement et pour surveiller pour 6 ou 4 ans, il a tourné mal en Haïti. Mais le gouvernement qui a encouragé les citoyens qui vivent en Haïti ou bien qui travaillent en Haïti et demandé de quitter le pays d'Haïti le plus vite que possible. Donc c'est un investissement qui montre qu'il y a beaucoup plus sérieux que mon copain. Et il y a une conférence épiscopale là pour qu'il y ait même tout, donc ça a été conférence des évêques. Mais au même tout, il y a un premier ministre à Marie pour faire une richesse de bonne volonté. Ça nous a aidé pour prendre une décision de sagesse. Alors, et puis là, qui t'a parlé sur la question de 10 à 10, 11 de sa son décision tout pour t'a justement dénoué la crise là. Et j'en ai là pour te permettre de retirer les peuples haïtiens dans la souffrance que je viens de dire. Et puis, oui, pratiquement c'est comme sa situation est dans le pays d'Haïti. Donc, même j'ai avec nous-mêmes, moi-même, on a su la situation, on a su l'évolution de la situation, on a su ce qui s'est passé. Mais en plus, on a eu plus d'attente en 7 février, mais je dis à quelqu'un qui dit qu'on est calme, mais la réalité est calme. Les gens nous contacté, et on dit que la réalité est calme, pas une vraiment pas une grosse activité dans la réalité. Et ces transports publics là, à fonctionner avec un peu de difficulté parce qu'il y a une manifestation et manifestation et de temps en temps une manifestation. Je le dis encore, et on sait que moi Jean-Charles et annoncé la manifestation et puis il y a un groupe Montana qui dit eux-mêmes, ils ont déjà un plan par eux déjà, donc ils ne peuvent pas m'aider avec l'autre bail qu'ils ont fait parce qu'ils ont déjà un président et ils ont réussi. Donc on va peut-être si tu n'as pas plan accord que tu as signé maintenant, et c'est à quoi ça t'a été en application avec les événements du bon président, et qui c'est l'économiste Fridjan, qui certainement t'a pas rassuré intérimat. La question qui est blessée, c'est surtout lui, surtout dans l'affaire intérimat, parce que la communauté internationale, il ne dit pas la transition dans la transition, mais mon qui se passe, dit toujours possible pour une transition encore. Même si c'est en transition définitive, une transition qui peut fâcher, pour pas d'agon l'autre encore. Et nous parlons du dossier de Dominique. On a vu ici là-bas aux États-Unis, il y a une enquête que le département de justice américain a demandé pour être fait sur le président Joe Biden sur la santé gérée. On sait des documents et top secret, des documents secrets. Oui, de consensible, le vice-président américain, et bien, le chef. Responsable enquête là, sorti résultat, il dit que il n'y a pas de nécessité pour que des charges criminelles contre le président Joe Biden, étant donné que il paraît du grand monde, il commence à perdre mémoire, il n'y a pas à songer, etc. Donc il dit que pas de nécessité, mais eux. Donc en réaction, le président Joe Biden, mauvais pour con, il dit comment. Il y a une mémoire ferme, il y a tout le bagage, il y a une mémoire. Alors, sur le rapport, ça, il y a un public qui a profité de rapport où il dit, eh bien, bon, mais ça, on a dit, ah, ben, monsieur, pareil, puisque monsieur a un problème de mémoire, un problème de mémoire, il n'a pas rappelé le bail, eh bien, monsieur n'est pas qualifié ou bien encore pas fit, il voulait ça fit ici, alors il n'est pas éligible pour que l'État soit capable. Et vient président des États-Unis et nous rappelons que pour le président. Et Joe Biden, il dit que c'est candidat qui a cherché une nomination au Parti démocrate. En fait, il saute pour lui donner un autre mandat. Et très probablement contre un autre candidat pressenti, Parti républicain, on a parlé de un
c'est le président Donald Trump. Donc, c'est la répétition mondiale qui vient en 2020. C'est la même répétition, c'est encore nous capables de suivre. Si pas de si données, il n'y a pas changé. En attendant, c'est le président Donald Trump qui est allé devant la Cour suprême États-Unis pour justement mettre en question et autorité en Colorado qui était dit qu'il n'y a pas de mettre dans l'élection primaire en Colorado, et bien les dossiers allaient devant la Cour suprême, la Cour suprême était une déposition partie concernée, donc la Cour suprême a justement pour prendre une décision très certainement qui a un bon impact sur l'avenir du président Donald Trump dans l'élection présidentielle de 2024. Alors, en parlant du président Donald Trump, on a dit qu'il a remporté l'élection, il a remporté le caucus qui a déroulé dans Nevada avec main levée. Il a remporté lui. Et c'est comme ça que tu dis même tout dans le discours que tu fais, tu m'as dit qu'on y a pour le pas. Pour le pas, tu es pour n'importe tout. Et caucus qui a déroulé tout dans US Virgin, les îles Vierges américaines, tout qui a déroulé dans le même moment. Donc, il a remporté tous les deux. Et adversaire lié, bien compétiteur, rival lié dans l'élection qui est allé, tu es participé dans la primaire, qui fait dans l'État mardi, mais il n'a pas remporté le tout. Il a perdu devant un candidat inconnu. Parce qu'il y a près de 61%. Le peuple a voté pour 61% de monde qui n'a pas identifié la personne. Donc, il a même dit ça n'a pas suffi pour lui. Donc, il a même perdu la même élection primaire. Donc, en parlant de ça, dans le camp démocratique, et le président Biden a préféré l'élection primaire qui a déroulé tout dans Nevada mardi. Et il y a une rivalité. Alors, deux autres rivales qui étaient chassés, qui n'ont pas pesé dans la balance, non, mais qui ont cherché et nomination parti démocrate partout. On a parlé de l'écrivain Marianne Williamson, et puis avec le député Minnesota, Dean Phillips. Eh bien, il n'y a pas vraiment important puis voix, donc il n'y a pas du tout. Alors, en réponse, en réaction, il y a Marianne Williams qui a fait une nomination parti démocrate là, il a fait ça. Donc, on a dans la course pour nomination parti démocrate là, il y a seulement deux monde qui l'a donné, c'est le député Dean Phillips avec le président sortant Joe Biden. Mais on a senti que selon le tendance, il a montré que l'État semblait que le résultat va aller plus dans l'ancien président actuel là, ou le président sortant, même dit qu'il a remporté Mayol là. Non, l'autre point qui n'a pas capé dominant actualité à toujours, et sinon nous va parler un petit peu de sport parce que nous connaissons que jeudi a gagné ou gagné ça c'est fait football gagné d'abord gagné et finale Coupe d'Afrique Coupe d'Afrique des Nations et CAN. Et finalement, ça a été organisé à la compétition. On a parlé de Côte d'Ivoire face à Nigeria. Côte d'Ivoire, nous avons été mal dérapé championnat. Et bien, lui-même, malgré la critique de guerre, l'équipe a ressuscité. Et après le match, c'est un baril de l'équipe qui a été qualifié comme meilleur troisième. Et bien, depuis côté l'équipe a été qualifié comme meilleur troisième, c'était un monsieur Abbali. Et qu'on a monsieur Abbali en finale. Et vous voyez, je sais qu'il a payé la compétition. Tout. Finale, ça, c'est pour week-end. Tout. Et puis, jeudi, c'est vraiment un gros match. Jeudi, et entre, on a parlé de nous venir dans le CONCACAF, la CONCACAF, dans le championnat CONCACAF pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde U17, la féminine qui va jouer en République Dominicaine en octobre prochain. Eh bien, Grenadier, on a parlé qui s'est sur SNN, la confronté avec les États-Unis. Mais qui Mexique a confronté avec Canada dans la semi-finale. Bon, l'histoire, les rencontres avec, entre États-Unis avec Haïti, pas jamais favorable pour la sélection nationale haïtienne. Est-ce qu'on a fait mieux? Oui, il y a une mission, Haïti va aller à la Coupe du Monde. Haïti a deux rencontres contre Sylvie, parce que l'équipe qui vient en finale, fait finale. Deux équipes qui viennent en finale, c'est eux-mêmes qui ont qualifié, parce que le Dominicain est déjà qualifié et comme pays organisateur. Donc, deux équipes qui qualifient, deux équipes qui viennent en finale, qui fait finale là, qui a fait le dimanche, et bien, et c'est eux-mêmes qui ont qualifié pour phase finale.
Coupe du monde U17 féminin. Et puis, bon, à bon match consolation, et je n'ai pas aucun détail sur l'équipe qui finit troisième qui s'est à la pied. Mais, en tout cas, l'histoire entre Haïti avec les États-Unis, dans les rencontres que vous faites, mais bah, là-bas, j'en vraiment à défavorable pour Haïti. Bah, le centre penché plus, bon côté équipe américaine. Et puis, l'autre côté, c'est la rencontre Mexique avec Canada. Le Mexique, c'est le cas accueilli tournoi, son octagonal, avec une participation du pays. Et bon, Mexique est censé battre Haïti dernièrement là, 4-0. Donc, Mexique a vu au Canada, mais Mexique pour le Canada, et bien, le Canada pas trop, pas besoin de tout qualifier. Donc, c'est deux matchs qui ont d'intérêt, même si nous pas qu'à dire rien, mais nous n'obtenons pas le résultat. Mais je dis à ces finales là, et ces semi-finales là, entre Haïti, Mexique, Haïti, États-Unis, d'un côté, et puis Mexique, Canada, l'autre côté. Et puis dimanche, tous ces gros fêtes de football tout aux États-Unis, ça en est les finales et les Super Bowl. Super Bowl, là, c'est peut-être c'est côté américain ou c'est sport favori américain. On a parlé de football de vol carré. C'est la Cap Métis face à face et San Francisco 49ers avec Kansas City Chiefs, match à déroulé dans Las Vegas. Déjà, le monde qui a fait des places en sous-maison ticket ou pas qu'un ticket. Vous ne pouvez pas gagner ticket, hôtel de foule et c'est quoi activité. Et Américains ont fait des placements et tickets vont extrêmement cher. Sous pas de ticket et dans bonheur, et bien il y a très difficile pour un ticket pour aller dans le match. Je suis en France pour tout. Donc nous allons parler un petit peu de qui est-ce qui a remporté l'édition Super Bowl pour la saison 2023-2024. Et puis il y a l'autre football ballon tout cas pour les tours et dans le championnat européen. Mais plus ou moins l'actualité assez surtout ici. Et puis nous parlons de Nouvelle-Orléans, côté Paris et Carnaval tout. Et dans l'occasion ça tout, nous t'avons sur place tout pour nous rapporter pour te voir. Ça a passé dans le Carnaval Nouvelle-Orléans et il y a quelques groupes haïtiens tout capables de jouer en bas, capables de jouer dans Nouvelle-Orléans et National Cabinet. Donc c'est Wololoé. Bon bagay. Et puis je dis à ce vendredi, Jacques ça travaille à Kali. Et donc moi-même dans Kala, je serai ça vient porter con support pour moi. Donc il est avec moi tout, il y a un gentil Augustin qui est là tout, avec Serge Rodriguez et Fredo, avec Valerio, donc je suis ensemble, même je combat à régler au même côté de Yalan, dans New York. Et puis tout le correspondant, tout le capteur sur le dossier Haïti, qui en saillé, Renan Toussaint, Mathias Dovine, Emmanuel fait certainement parler nous de Carnaval Jacmel, plus que Jacmel s'est organisé Carnaval National là, dimanche passé. Même les responsables n'ont pas trop satisfait à cause de la grande pile de monde qui t'évite de faire des passants, surtout soit pour Carnaval Jacmel, le monde ne peut pas aller pour raison de sécurité ou de barrer, etc. Mais quand même, ils étaient font Carnaval à la Jacmelienne. Jean habitué à faire là, quand on a chargé couleur, etc., bon masqué, bon habillé, etc. Donc, je dis à Emmanuel, va partager avec nous ça, l'été. Et puis, nous gagnons tout, et ça, je vous dis que c'est capable de nouvelle sauver les tuyaux, ça va passer la carrière des tuyaux, et puis, avec mon lot, moi, j'avais l'autre avec nous, il était carrément la surprise, tout, parce qu'on a porté mon lot si rien sert. Dans la nouvelle et souveraineté, et ça, je vous dis que c'est normalement présenté par nous chaque vendredi. Et je dis à ce vendredi, c'est le jour que nous connaissons, le week-end a commencé, il y a une pile ambiance, donc ça veut dire que vous prenez la fête, vous conduisez, donc vous avez un mariage, vous pouvez faire, vous ne pouvez pas mélanger, vous ne pouvez pas mélanger l'alcool pendant la conduite, ça veut dire sous conduite, vous ne pouvez pas consommer l'alcool, et si vous voulez consommer l'alcool, vous ne pouvez pas conduire. On a passé un bon week-end. On vient là avec nos pita encore dans le programme de télévision que c'est moi-même jeudi à Capé. Présenté. Bon week-end tout le monde. Quand on a un après, lundi prochain. Bye bye.